déjà. Donc il est tôt, la lune est encore dans le ciel. Le jour se lève à peine. Il doit être quelque chose comme 7 heures. Ça fait déjà un bon moment que je suis sur le chantier, que j'ai tout préparé. Mais ils annoncent encore chaud aujourd'hui. Donc on est côté ouest. Donc on sera exposé au soleil vers à peu près 13 heures ici. Et pourquoi je mets des marteaux comme ça? Ben, tout simplement parce qu'ils annoncent de l'eau demain. Donc le but pour nous, ça va être de terminer la maçonnerie des arases de chevrons pour pouvoir mettre le frein vapeur et bâcher absolument avant demain matin, avant ce soir. Voilà. Donc j'ai déjà fait l'autre côté hier. Et je vous montre un petit peu en quoi ça va consister. Donc on a mis du Barnier sur tous les chevrons. Donc ça, c'est ma petite femme qui s'en occupait tout à l'heure pour éviter de tacher les poutres, hein, puisque je vous rappelle que la chaux avec le chêne et le tanin du chêne, ça fait une réaction et ben, ça fait des taches noires comme ça. On voit des auréoles qui s'en vont pas facilement. Donc ça, il faut absolument éviter. Ensuite, il y a des crampillons donc, qui sont mis dans la panne sablière pour donner une accroche. Donc c'est des crampillons galvanisés, importants aussi pour éviter qu'ils rouillent. Voilà, puisque la chaux corrode l'acier. Voilà. Ensuite, j'ai mis des demi-briques de 7, donc de 7 cm de large, que j'ai collé au mât, hein, je ne me suis pas enquiquiné. Donc je ne sais pas si vous verrez de l'autre côté comme c'est fait. Par-dessus mes briques standards, parce que je ne voulais pas me casser la tête à maçonner du caillou pour ça. Ça allait me prendre un temps fou, me prendre beaucoup de chaux, beaucoup de sable, pour pas bien grand-chose, quoi, pour faire un arrêtoir. Ici, on a rempli, puisque derrière la sablière, je vous rappelle qu'il y avait, il y avait le vide avec mon chaînage en L. Donc, on a tout rempli ça avec de la chaux et des pierres. Mortier de chaux, chaux sable et pierre. Et puis, le but, eh ben, ça va être de rendre la même chose que ça entre chevrons pour tout simplement fermer le mur, hein, terminer le mur. Voilà, donc j'ai mon grand qui est là avec moi, qui va m'aider, qui va me passer tous les seaux de pierre, le mortier est prêt, tout est prêt, il n'y a plus qu'à installer la poulie ici, et t'as pris tes bras? Bon bah ça tombe bien parce que tu en auras besoin. Il y aura du chocolat. Il y aura du chocolat, ouais. Il y aura peut-être même des bières ce soir, mais juste pour ton père. Donc avant d'attaquer, je vous montre ce qu'on a fait hier soir. Donc j'ai terminé pareil assez tard hier soir. Donc voilà, ceux-là sont bons. Il me restera un petit coup de balayette à mettre sur les briques, hein, sur mon débord de mur là, qui est pas bien joli. Et je suis venu rebâtir également ici pour pouvoir remettre les voliges, après recouvrir le frein vapeur et après on peut bâcher, on est tranquille en attendant de faire la suite. Donc ici, j'ai bâti en deux temps, hein, on voit bien la différence de nuance. Ce que je vais faire ce matin, c'est mettre des pierres devant, bâtir un petit peu derrière, faire une base en fait, pour avancer, avant que le soleil ne chauffe de trop. Et ensuite, je vais remplir derrière avec des cailloux, des petits cailloux, toutes les chutes de pierre que je peux avoir qui ne me servent pas, qui ne sont pas jolies pour un mur, avec un mélange chaux sable pour... Et puis venir faire en arase propre. Voilà. Ouais, tu cherches pas trop, et puis tu montes et tu fais glisser le long de la planche. Je tiens, tu peux lâcher. Allez, vas-y, mets-moi le seau de mortier. Je vais décharger le seau de caillou et puis tu pourras me remettre un seau de caillou après. Pareil, tu charges pas trop, ça sert à rien de te fatiguer dès le début. Ah, je tiens le seau, c'est bon. Tu peux lâcher. Voilà, descends pas le crochet, je te redescendrai les seaux après. Oh bah nickel, elle m'a tout bâché ma petite femme, c'est cool. Merci beaucoup. T'as mis tenir avec quoi? Le scotch? Avec le scotch des... Oh bah nickel. Super. Merci. Travailler en famille, c'est bon ça. Allez, c'est parti.
Bon, j'ai la relève qui est venue assurer la première relève, on va dire. Hein. Donc mon deuxième garçon qui vient m'aider. C'est bien, ça leur fait les biscottos à tour de rôle. C'est bon, je le tiens. Tu peux lâcher. Ouais. Voilà, nickel. Puis je vais regarder, tu me redonnes encore un saut de mortier, mais on va regarder ça. Ça va? C'est pas trop haut? Ça se passe bien? Ouais. C'est un peu grand tes gants, non? Ensuite, on va retirer le barnier. Donc, on va pas tirer comme ça, comme des petits cochons. Je vais maintenir le joint. Donc, quand il est encore un petit peu frais, là, je viens de terminer. Hein. On va pas brosser maintenant parce que c'est encore pas suffisamment sec. Donc, eh ben, je vais maintenir le joint, le mortier, pour venir l'écraser. Voilà. Ici, ça sent un petit peu, c'est pris dessous. On viendra réécraser après. Voilà. Voilà. Là, je vais resserrer un peu avec ma truelle. Voilà. Vous voyez là où il y a le bois à toucher, ça. Tout de suite ça tâche. Mais là on a une finition nickel. Donc là on est nickel. Voilà. Bon, et eh ben moi je vais faire tout ça, retirer. Je vais combler donc avec des pierres. Ici, des pierres du mortier, des petits cailloux, voilà, un peu tout ce qui traîne. Mais en cailloux, hein, pas en. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, je vais venir brosser et puis on verra. On verra ça quand ce sera fini, je vous ferai le point sur le résultat et on pourra mettre en place les voliges. Donc je ne vais pas venir jusqu'au bout,
Les voliges, je vais laisser un petit peu de marge. Si jamais je dois recouper un ou deux chevrons, parce que j'ai vu que j'en avais qui n'étaient pas parfaitement alignés, donc je mettrai un cordeau à ce moment-là et on retaillera les chevrons si nécessaire. Bon voilà, c'est terminé, c'est brossé. Donc il y a encore quelques pierres un peu blanches que je viendrai rebrosser après. Wally walou. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à poser les dernières voliges. Poser le frein vapeur, donc c'est pareil, on va se dépêcher parce que là je ne vais pas prendre la caméra, on verra ça sur une autre partie du toit. Ils annoncent de la pluie demain, donc il faut que ce soit bâché ce soir pour pas mettre à bas tout ce travail par la pluie qui viendrait salir les pannes et les chevrons et même les voliges. Voilà, donc on va terminer tout ça. Je vous ferai un petit rush ce soir pour vous montrer ça en espérant qu'on ait le temps de tout faire. Donc frein vapeur qu'on va poser depuis le sommet par le faîtage et puis on va venir glisser l'autre dessous, scotcher et puis rabattre avec un recouvrement de 10 cm et la bâche qu'on va faire tenir avec des planches et des serre-joints, voilà, et des cendres.